Ça a l'air d'être. Oh putain! Putain! Je te parie que c'est l'ancien qui conduit. Il y a de la mécanique encore à faire. Il y a des mecs en sultaine qui venaient de. Qui viennent de rentrer juste en dessous, cagoulés tout bordel. Ah ouais? Ouais. Bah rien. C'est eux je crois. Tiens, regarde, ils rentrent dans le parking, Et je vous préviens, j'ai pas d'arme. Mais pareil. Bien fermé ses mains. Bon, on discute. Pareil, on fait un business là ou pas? Salut les mecs. Salut les gars. Je vous présente Joe, je sais pas si vous l'avez déjà croisé, c'est un ami à moi. Chanté. Je crois pas. Joe peut-être être intéressant dans le plan, c'est qu'il est habitué des tables de poker. Putain. Très intéressant. Donc, bon. Est-ce qu'il t'a mis un peu dans le topo? Mais il m'a expliqué un peu, mais. Ouais. Vas-y, si t'as rajouté, vas-y, n'hésite pas à lui exposer votre vision, même à la moins. Faut savoir qu'un joueur qui fait des sauts au poker, il peut rester sur les tables pendant 3 heures, quoi. Donc, faudrait être patient. C'est ça que je me pose la question, c'est si le mec il va rester combien de temps? C'est ça le problème. Bah écoute-moi, je t'explique. L'important, c'est pas le temps qu'il va rester sur la table. C'est l'argent qu'ils vont emmagasiner pendant ce temps. L'important, c'est de choisir la bonne voie. La personne qui n'a pas beaucoup de contact en ville, que tu connais, que t'as vu, tu peux nous donner des informations sur lui, des gens, t'as vu. On veut pas prendre un chef de cartel, tu vois. Un chef de gang, c'est ce que je veux dire. On veut prendre des mecs qui sont un peu, qui ont juste des sous, tu vois. Mais des chanceux, des sous dans cette ville. Ouais, mais il y a des gens qui ont des sous dans cette ville, souvent, ils font des choses pas très légales, tu vois. Donc bon, mais on va faire ça bien. Donc le problème, c'est qu'il faudra avoir des infos sur ça. Et si on a des infos sur les personnes et tout, là on pourra agir. Et là on pourra agir bien. On pourra avoir du backup derrière, etc. Et si on fait les choses bien, on pourra avoir beaucoup de thunes. Parce que toi qui joues au poker, tu sais très bien que les gens qui sortent souvent, ils sortent avec un bon petit backup. C'est clair. Excusez-moi les mecs, ça vous dérangerait pas de toucher sur le côté votre petit muscle X, vite fait pour voir? Ah ouais. Tu voulais qu'on fasse quoi? J'ai pas compris. Toucher ton petit muscle sur le côté X. Ça va replier ta canne à pêche, je pense. Ah mais moi je peux pas, ça marche pas. Ah ouais. Ok. Y'a rien à faire, en fait j'ai jamais eu de canne à pêche, j'en ai pas. Et Tom il avait jamais... une bouteille de champagne que... Bon bref, même pas. Voilà, y'a pas d'histoire de canne à pêche ici, c'est compris? Quelle canne à pêche, voilà. C'est bien, j'aime bien cette mentalité. Tu disais, Tom... Bref, du coup concrètement... On serait pas beaucoup sur le coup, t'as vu, au début. Parce qu'en gros, moi ce que je voudrais, t'as vu, c'est réitérer cette action plusieurs fois. Et genre réitérer les prises, parce que plus on va faire de prises, plus ça sera dangereux. Mais plus il y aura de l'adrénaline et plus on pourra faire des choses intéressantes. Parce qu'au début, ça sera simple, je pense. Parce qu'il y aura pas de sécurité extérieure. Il faudra bien trouver la place facile pour se faire une première fois, c'est sûr. Voilà, c'est ça, au début, c'est ça, tu vois. Mais après, au fur et à mesure, il faudra bien choisir spécifiquement les proies, parce qu'il y aura de plus en plus de flics qui sauront que après les parties de poker, il y a des gens qui viennent, etc. Ouais. Du coup, il faudra faire attention, tu vois. Comment tu t'appelles déjà, man? Joe. Donc toi, ton rôle, ça sera concrètement de faire l'indic à l'intérieur, tu vois. Et genre, dire qui gagne les thunes, et quand ils bougent de la table, tu fais, oh les gars, je vais pisser, et tu, ou je sais pas, ou alors tu fais un petit signe, ou alors tu fais un petit tic de radio, tu vois. Il sera pas forcément tout seul. Moi j'ai l'habitude d'aller au casino. Voilà, je peux être aussi là pour être perdu en plus. L'oreille. Ouais. Même. On aura peut-être des personnes qui travaillent là-bas, tu vois. En plus. Ok. C'est pas Du coup, Du coup, vous allez me demander de faire exprès de perdre alors. Non, mais si tu gagnes, c'est bénéfique. Si tu peux gagner pour toi, tant mieux.
C'est ça. Non, mais tu joues comme d'habitude. On veut pas que tu changes tes habitudes. On veut juste que tu me donnes des infos. Si voilà. tu gagnes bien, c'est cool pour toi. Ouais, parce qu'on peut très bien repérer une cible qui va pas gagner ce soir, mais qui peut gagner demain soir. Ouais, je peux faire une cible intéressante. De toute façon, le but c'est simple. Dès que tu repères un mec qui a l'air d'emmagasiner un max, tu le repères bien, tu nous envoies son signalement, tu fais en sorte que quand il sort du casino, on est au courant qu'il est en train de sortir, et nous on s'occupe du reste, ok? C'est super simple. Ok. À chaque fois, tu prendras un pourcentage, ça se sera décidé de combien, mais en gros, ce sera toujours le même. Ouais, ça tranquille, on verra ça plus tard. Je suis pas ça pour ça pour l'instant. Voilà, mais je dis une bêtise, mais imaginons que tu prennes 15%, ok? Si tu prends 15%, ce sera 15% à chaque fois. Peut-être avec le temps, on augmentera petit à petit, tu vois. Mais ça veut dire que plus tu trouves un gros poisson, plus t'en magasines aussi. Ouais, exactement, je vois bien. Voilà. Ouais, bah on va faire ça, on va voir ça, je vais surveiller ça. Voilà. Ça fait il y a quelques temps qu'il a pas ouvert, je crois. Ouais, vas-y, je pense qu'il va ouvrir ce week-end. Mais il y a des jours, Sparkev, faut regarder sur le site, il y a des jours spéciaux. On essaye de s'organiser, si vous êtes chaud, on essaye de se faire ça ce week-end, on essaye d'organiser, je vais essayer de trouver un vrai plan, quelque chose de concret, solide, et essayer de voir combien on peut mettre de man dessus, combien on peut voir, etc. Parce que j'aimerais quand même gagner un peu de sous, parce que de base, pour m'acheter ma voiture. Bon, pour l'instant, plus on gagne, mais plus on est... mieux c'est, parce que niveau de la sécurité, tu vois. Du coup, on va voir, on va réfléchir. Ouais. Pour l'instant, c'est les prémices. Ouais. Voilà. Bon, je pense que tout est clair. Est-ce que t'as des questions particulières? Non, ça a l'air bien clair, hein. Ok. Tu faisais quoi dans la vie de Joe avant de nous rencontrer, là, par le poker? Dans la vie avant d'arriver dans le secteur? Ouais, je sais pas. Déjà ici, tu fais quoi? Mais je suis mécano ici. Mécano? Ouais. Où ça? Au Grand des Motors. Ouais, ça va, ça se passe bien. Ouais, ça va, y'a du boulot. Y'a du boulot. Mais ça paye bien. Ah ouais? Ça a l'air bien payé, je vais voir mon premier salaire. Ouais. Si là je te fais confiance, c'est juste parce que c'est lui qui te ramène. Je te pose pas tant de questions et tout, parce que c'est lui qui te ramène, donc j'ai confiance en lui. Ouais, j'ai bien compris ça. C'est comme ça. Donc t'as vu, vas-y. J'ai confiance. C'est mais cool. si on sait qu'il y a une snitch parmi nous, je vais pas te mentir, tu seras le premier accusé, quoi. Mais j'imagine bien. Il y aura aucun souci. Voilà. Ouais, on compte sur toi. Il y a pas de problème, les mecs. Ouais, il y aura pas de souci là-dessus, vous en faites pas. Ok. Ok, avant de venir ici, tu faisais quoi? Au Costa Rica, j'ai fait pas mal de conneries. Ouais, t'as fait quoi? Je peux leur dire, tu crois, Jason? Ouais, tu peux leur dire. Ouais, j'ai découpé un mec et... J'ai pris 20 ans. Ah ouais. Ah ouais. Non putain, mais tu lui as découpé. Ouais, tu t'es mal pris, t'as laissé des empreintes. Ouais, ils ont retrouvé une jambe. Putain. Eh ouais, mais quand on sait pas faire disparaître un corps, on découpe pas un corps. Ah, je vais pas t'expliquer toute l'histoire, mais c'est bien plus compliqué que ça, l'ami. Bon, ok. T'as pris 20 ans et là, t'es de retour à Los Santos, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon. Bah, déjà, j'espère qu'aucun de nous ici finira comme le mec au Costa Rica. Non, je pense pas, t'inquiète. Hein. J'ai eu le temps de réfléchir dans ma cellule. Comment t'as pu gagner autant de thunes? Enfin, comment t'as pu gagner des thunes pour aller sur des grosses tables de poker? Bah tout simplement, j'ai gagné mon premier tournoi, et après j'ai réinvesti des tournois, et j'ai regagné des tournois, etc. T'as devant toi l'un des meilleurs joueurs de la vie. Bah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est vraiment voir, moi je suis prêt une soirée à faire exprès de perdre. Et ouais, mais ça veut dire que si cette histoire marche bien, à un moment faudra qu'on fasse genre qu'on t'a braqué. Au moins tu seras, genre, cliné de sûr, et tu pourras pas être accusé. Ouais, très bonne idée ça. Je vois ça sur le long terme, tu vois, mais vas-y, ça peut être une bonne idée, tu vois. Bien sûr, ouais, je clairement. Sais ce que je... Joe Lopez, il est connu au table de poker. Personne ne le soupçonnera. Ok, c'est très intéressant, très intéressant. Et on pourra même faire genre, on est censé... Oh là là, c'est bon. Ok, alors ça, j'ai les prémices de tout, sachez-le. Parfait. C'est tout ce que j'ai. Du coup, toi, c'est l'étape de poker. Ouais. Merde, je sais plus ce que je voulais dire, sa mère.
Ah si, 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 ouais, tu connais bien le casino, du coup. Ouais, pas mal. Pas mal, ok. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion d'aller autre part que dans les salles de poker ou celles qu'on peut rentrer de base? Non, pas encore. Pas encore, ok. Est-ce que t'as eu l'occasion peut-être de voir qui avait accès et qui n'avait pas accès? À quoi? Peut-être ou pas? Bah la sécurité, j'ai vu, ils ont accès à des salles supplémentaires, c'est sûr, mais... Sûr. Ouais. Jamais et t'as pas... mettre les pieds dedans. T'as pas le nom d'un mec de la sécurité? Une identité, un truc? Il faudrait que je me renseigne. Ah, on connaît un... Non... Ah, attends, on connaît un mec qui vient de se faire virer. On connaît un ancien de la sécurité qui vient de se faire virer. Ah ouais, ouais. Il s'est fait virer. Ouais. Oh là 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 là, ça c'est bon, ça c'est bon, il faut que tu nous mettes en contact avec lui. C'est un de tes collègues au garage, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Faut la prochaine fois que tu le vois, faut que tu essayes de tâter un peu le terrain d'abord, tu vois. Ouais. Tu veux savoir quoi? D'après toi, est-ce qu'il est. Il a de la rancœur de cette vie ou pas? Je crois un petit peu, parce que. Un petit peu, je pense. Sans faire exprès, je crois qu'il a laissé quelqu'un rentrer avec un couteau sans faire exprès. Il a été viré sur le champ. Ouais, parce que le mec, en sortant, il a planté quelqu'un de... Ah ouais, ok, je vois. Ouais, sans faire exprès, ou alors il a lâché un bon... Qui sait? Peu importe. Bref, du coup... Bah non, ça a son importance. Mais je crois que... Ça veut dire qu'il a acheté... Non mais je vais me renseigner, t'inquiète. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres mecs de la sécurité qui sont achetables aussi. C'est possible. Après, c'est possible. Ouais, va savoir. Bah, faudra lui demander à lui, quoi. Ouais. Ensuite, est-ce que tu sais si c'est un mec plutôt très droit ou s'il se laisse aller à quelques petits amusements? À mon avis, il a l'air de bien s'amuser. Ok, bah faudrait que... C'est droit dans ses bottes celui-là. Mais bon, je peux pas le juger, ça fait deux jours que je bosse avec lui, quoi. Voilà, il avait l'air cool et puis il avait l'air d'être un peu pipelette, tu vois, donc je prends un peu tout comment ce qu'il dit. Comment il s'appelle déjà? C'est soit Edgar, soit... Edgar, ouais, je crois ça. Que c'est Edgar. Ok. Bah pour l'instant, ta première mission, ça va être de te rapprocher de lui, tranquillement. Discuter, voir ce qui est possible ou pas de faire, tu vois, tu lui en parles pas trop, mais juste essaye de voir sa mentalité par rapport à tout ça. Ouais, ouais. Et après, t'en parleras à Jason. Ça marche. Et on avisera si on le rencontre ou pas, ok? Pas de problème. Nickel. Nickel. Voilà. Bah, nickel, tout est clair. C'est bien clair. Et on se recontacte. On essaie de se voir ce week-end. Et pour on essaie de se voir avant, évidemment, mais ce week-end, mettre ouais, des choses dans le concret. Ouais, je devais pas être là, mais finalement, je serai là. Mais essayer de planifier ça. Ouais. On essaye de voir pour le concret, quoi. Bon, nickel, moi je vais aller dormir. Ça ressemble à un plan, tout ça. Ouais. Tu veux mon numéro? Ouais, c'est possible. C'est le 6049. Et donne-moi le tien, donnez-moi les vôtres aussi. Bobby, Gary. Moi c'est 5350. Ouais. 6049. Envoie-moi un message avec ton prénom. T'as vu comme ils ont dégarpé les deux enculés en Sultan? Et ouais, c'était vraiment des gros salopes, ils sont venus pour foutre. Dès qu'il a vu les pétards, il a fait une marche arrière, il a défoncé son pote, la bagnole de son pote, et ils sont cassés la cartilage. En plus, je les connais, je sais, il y a peu de gens avec un putain de chapeau mexicain, je les avais déjà croisés en train de braquer une banque. Ah ouais. Ils avaient pris carrière notre. Dans la soirée? Non, c'était un petit. Ah ouais. C'est pas eux, hein, mais vas-y, je sais pas, y'a peu de gens qui te mettent des chapeaux mexicains, c'est ce que je veux dire. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Non, c'est comment? En mode salsa, quoi. Mais avec un accent très prononcé comme ça. Ah ouais. Putain de latino. Bon, bah les gars, je pense qu'on va tous aller se piéter. Ouais, hein. Bah on va carrément. C'est clair. Vas-y, bah c'était bien. Bon, cool. On se tient en jus. On se tient en jus, les mecs, au plaisir. Eh, hey, bonne nuit, les gars. Plaisir. À la prochaine. Tu veux conduire, Jason? Comme tu veux. Vas-y, je sais que ça te démarche. Même si elle est pas si puissante que ça. Ah si, quand même. Elle a du couple, la salope.
Allô? Ouais, bonjour, c'est le mécano. Ouais, j'ai préparé les véhicules. Ouais, ouais, bien sûr, vous êtes où? J'ai déjà quelqu'un qui est arrivé, un collègue à vous. D'accord, ok, bah ça marche. Bah merci quand même, monsieur. Ouais, n'hésitez pas à lui dire qu'il prévienne quand il prend la course, ça serait cool. Monsieur, vous devez prévenir, en fait, vous êtes monsieur Lopez. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, bah monsieur Lopez, il m'a dit qu'il faut que vous préveniez la prochaine fois qu'on prenait une course. C'est bon, il m'a dit oui. Y'a pas de soucis, ça marche. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Oh, le sérieux, t'es mort! Salut, l'ami! Comment ça va? Ça va, et toi? Bah, tranquille, hein? T'es tombé ouais. En panne, là? Ouais, en fait, je t'explique. Eh ben, c'est pas moi qui conduisais, mais j'ai retrouvé ma voiture dans cette tête, hein. Le travail, Yukli. Ah, merde! Bonjour. Quelqu'un te l'a chouré et tu l'as récupéré comme ça, quoi. Ouais. Du coup, j'aimerais bien un petit peu qu'on tape dessus. Enfin, ouais. Pas on tape dessus, mais on la répare, quoi. Ouais, je vais te mettre un coup de... Je vais regarder déjà l'état. Ok. Ah ouais, ça fume encore, bordel. Putain, c'est un beau moteur qu'il y a là-dessus, en tout cas. Ouais, c'est moi qui ai fait la custom. Ah ouais. Ouais, yo. En tout cas, elle est bien sympa. Et les suspensions, ouais, elles se lèvent sur celle-là. Ouais. Ah ouais, trop cool, ça. Elle est trop stylée, hein. J'avoue. Impeccable. Putain, je vais te péter un petit coup de peau de chamois, elle est un petit peu sale, là. Hop là. Impeccable. Bon bah elle est toute neuve, hein. Tu vas pouvoir rider comme il faut. Ouais, je sais, yo, man. Et je te fais une petite facture de 2500. Ok. Man. Ça roule. Facteur, hop. Attends, j'en ai beaucoup à payer quand même. Impeccable. Merci l'ami. Et c'est comment ton prénom? Moi c'est Marcus, ma corps, ce que nous pouvons, le plus grand que ça, mais c'est Bill, ce que nous. Ok. Waouh. Et tu rappes un peu toi, Marcus? Ah, je fais du rap, tu veux que je te fasse un freestyle? Ah ouais, vas-y, ouais, un petit freestyle. Attends, je mets l'instru. Vas-y. Faut que je trouve un instru. Alors, un instru. J'hésite. Il y en a deux qui me pèsent. Prends celle que tu sens mieux. Ouais, je prends elle. Ok. Ah là là, je sors un son bientôt. Ah ouais? Oh, c'est ouais. Cool ça. Et tu tombes attention, pas des c'est clés. Un peu fort par contre, je crois. Fais pas, gaffe. Pas de problème, l'ami. Si, je fais des clips. Dans mon clip, je me fais sucer par des putes. Putain, carrément. Ouais.
Ah ouais. Ouais. T'as vu, carrément thug. En mode thug, c'est bon ça. En mode thug, carrément, yo. Ok, yeah, Marcus Voice. Yeah, je suis carrément trop chaud, freestyle, volume 1 pour Joe Lopez. Aïe, aïe, aïe. Yeah, yeah. Nick, t'es mort, yo. Ok, ouais. Aïe. Ok. Enchanté, moi c'est Marcus, obligé tu me connais. Parce que j'ai baisé ta sœur, ou peut-être bien un poney. Je suis partout sur vos écrans, appelle-moi George Clooney. Dans mon hood on est 500, on va tous t'allumer. On se balade avec Biggie dans cette ville d'enculé. Il s'arrête à chaque resto, il kiffe manger japonais. Il est dans sa bucaneur, il fait frotter les bas de caisse. A chaque fois qu'il voit un burger, il faut le tenir en laisse. J'ai le meilleur OG, c'est Ken, on se balade en Buffalo. Ta grosse daronne, la Ken, parce que lui il est pas puceau. Moi je suis pas puceau non plus, j'ai déjà vu une dame toute nue. C'était sur un magazine de cul, et c'était ma cousine Juju. Coup de tête à tous les racistes, même ceux avec des chapeaux blancs. Je vous la mets profond dans le huc, j'ai le même brochet qu'un éléphant. Big up à toute la police, non je rigole, allez voir foutre. Gros dégagement de vos têtes, comme si c'était un ballon de foot. Yo. Aïe aïe aïe, putain. T'envoies du lourd, Marcus, putain! T'aimes bien? Ah ouais, excellent, ouais. C'est lourd, gros! Ah ouais? T'as un putain de flow en plus! T'as vu? Ah ouais! Ah, franchement, ça m'a fait plaisir, l'ami! Bah, de rien, hein! Par contre, du coup, ça fera 55 000 $! Putain, tu fais comment ça? Tu factures des freestyles à 55 000 $, l'ami? Oh putain! Je rigole, yo! Ah, quand tu fais des petits showcases, tu dois faire des petits salaires sympas si tu fais des petits showcases. Moi, j'en ai toujours pas fait. Bon, allez, à plus, Joe! Yes, hein, à plus tard, l'ami! On se recapte. Ça marche, Marcus, n'hésite pas à appeler si t'as un souci. Ouais, t'inquiète, hein. Ça marche, à plus tard, go! À plus! Bonsoir. 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 Vous servez en haut ou en bas? En haut. Ok, nickel. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais prendre une petite bière là avant de reprendre le service. Ah. Faut pas le dire ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que c'est. Ouais, j'imagine c'est bien. J'ai 10 ans dans la cuisine. Ah ouais. Je vous assure que j'ai pas pris que des blabla bières avant de commencer des services. J'imagine. Impeccable. Et vous avez pas reçu encore, y a pas une distillerie avec des nouvelles bières là, j'ai entendu parler. Si, mais on doit voir avec nos fournisseurs parce qu'au final en gros ils vendent aux fournisseurs et c'est le fournisseur qui fait les prix, donc faut d'abord que j'arrive à les contacter. D'accord. Dès que ce sera fait, je passe commande. J'aurai un whisky et une bière irlandaise. Ok, c'est bon ça. Carrément. Du coup, vous me faites la petite facture ou... Oui. Ou je pars sans payer. Non, il n'y a pas de souci, l'ami. Je suis dans la lune. En plus, non, je vous ai fait une mauvaise facture, excusez-moi. Si je dois avoir de la monnaie... C'est pas grave, c'est très bien. Non, c'est bon, l'ami, c'est bon, t'inquiète pas. Non, mais vous inquiétez pas. C'est cool, elles sont bonnes. Et bien fraîches, ça vaut le coup. Ah ben... Bon, ça va, pas trop dur, le boulot? Non, ça va. Bon, y a pas mal de demandes, quand même, mais bon. Ouais, je me doute que... Surtout que j'ai commencé pas longtemps, là, j'ai commencé il y a 3 jours, là. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça charbonne bien. C'est bien, on voit du monde. On discute avec du monde, c'est sympa. Ah bah c'est pareil, moi je suis au bar, c'est pour ça. Ah bah ouais, carrément. On peut discuter avec les gens. On peut en voir défiler. Monde. Ah oui. Des vertes et des pas mûres aussi. Ça c'est clair. J'imagine putain, bien. Il va y avoir la soirée à Blackjack et tout, au casino, peut-être qu'ils veulent garder leur argent. Ah ouais. Ah, ce soir, Blackjack il ouvre, j'ai peut-être allé faire un saut. Ouais. Ouais, normalement, un table de blackjack, machine à sous, tout ça. Impeccable. J'aime bien aller là-bas. Enfin, je préfère jouer au poker quand même, je vais pas vous mentir. Ah, j'avoue que je suis... Mais c'est ça, on s'est déjà croisé sur ces tables de poker, il me semble. Ah, je pense, hein, c'est possible, hein. Mais si, monsieur Lopez, ça me dit quelque chose. Je vois sur la facture, ça... C'est comment votre nom? Mais on m'appelle Pierrot. Pierrot, d'accord. Si, je suis sûr qu'on s'est déjà bataillé 2-3 fois.
que j'en ai gagné une, mais que vous m'avez battu 2-3 fois. Je crois bien, oui. Ouais, c'est oui, Pyro, oui, ça c'est ça. Oui, c'est ça. Pyro, ouais, j'avais compris Pyro. Ah oui, Pyro, bien sûr qu'on s'est rencontrés au. Ouais, sur les tables de poker. J'ai dû vous battre une fois, vous m'avez battu une fois, je crois. Ouais, il me semble un truc comme ça. Vous m'avez battu, j'ai réussi à vous battre derrière, un truc du style. Ouais, vous avez quand même un bon petit niveau, j'aime bien ça. Non, il y a des parties, j'ai pas de chance, et il y en a où j'arrive à bien me démerder. Ah bah c'est le poker, hein. C'est toujours bah, pareil. Hein. Il faut qu'il y ait un peu de chance, un peu de cartes et un peu de tout, quoi. Un soupçon de talent, une pincée de chance. Exactement. Ah bah c'est cool. Non bah ouais, carrément. Ah non, moi j'aime bien le poker. Mais j'avoue que je vais pas vous mentir que depuis que je suis arrivé en ville, je fais pas mal de sous au poker quand même. Je suis un peu en déficit parce que j'ai perdu les dernières sans me rembourser, mais sinon j'ai fait pas mal de blé aussi. Ah, je suis. Pour pas vous mentir, je suis jamais sorti en déficit du casino. Moi si, justement, la dernière soirée, j'ai pas voulu faire la troisième, et généralement c'est la troisième que je gagne, donc. Ah, moi, la troisième, elle s'était mal passée la dernière fois. Je suis sorti le premier ou le deuxième, je crois. Mais bon. Ah non, ouais. Je sais que j'ai sorti des choses magnifiques à cette table depuis le début, mais. Ouais, mais j'ai. Ouais, je te fais ça. Je sais que j'ai réussi à sortir une Ken Flush Royale à la couleur. J'étais plutôt, ah, c'était toi, exact, ok, c'était toi. Ah, ok, je me rappelle. Au cœur, ouais, ça m'avait fait bien triper pour le coup. C'était une des premières mains, non? Toute première main du tournoi, non? C'est probable, ouais. Ouais, ouais. Du vin peut-être un karaoké, mais. Enfin, pas un karaoké, un blind test, mais bon, en même temps, il y a la soirée de. Je vais pas te cacher que ça sert à rien. Blackjack et tout, à mon avis, ça sert à rien pour qu'on se prenne la tête ce soir. Ok, donc on verra ça pour le week-end prochain, organiser un truc un peu plus. Ok, pas de soucis. Bonjour, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Attends, je te laisse t'en occuper. Fais-toi la main. Oula. Bon. Je sentais. Bonsoir. Voilà, messieurs, dites-nous, vous avez quoi à boire là? Est-ce que on peut avoir la carte? Oui, j'ai des bières, vodka, saké, grand cru, du golem, vin rouge, vin blanc, mojito, tequila, whisky, champagne, rhum ou rhum arrangé. Putain, la liste est longue. Ou alors en soft? Ouais, c'est. En soft, j'ai de l'eau, de l'iced tea, du coca, du jus de raisin rouge, du jus de raisin blanc, putain. Du pêche, du fanta, du fanta et du café. Non, c'est agréable d'avoir des gens de certains niveaux au poker. Pas des monstres, mais correct, avec qui il y a moyen de s'amuser un petit peu. Les parties durent un peu, moi j'aime bien. Ah, oui, ah bah oui, carrément. Moi je prends plaisir quand la partie elle dure, clairement. Bah c'est sûr. Ouais, excusez-moi une seconde. Ils sont excités dehors. C'est mouvementé dans le quartier en ce moment. Tous dans l'hôpital. À l'hôpital. Putain, grillage de merde. Yo. Ouais. Ok, ça me roule ou quoi? Ça va. Ok, parce que je te parlais dans le bar, mais t'avais l'air dans tes pensées. Ouais, non, j'étais dans mes pensées de ouf. Ok, ça marche, l'ami. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Putain, ça se met. Mais t'as encore bossé toute la journée là? Non, une petite partie, 2-3 heures. Une grosse partie de la soirée quand même. Ah ouais, t'as refait un bon billet. La soirée, j'ai pas travaillé. Je fallais re-remplir un camion, tu vois, pour la préventive. Non, mais t'as bien raison. Bah écoute, s'il y a rien à faire et qu'il y a moyen de se mettre un billet dans la poche en attendant. Mais carrément, et du coup, le patron il est pas là pour essayer d'embaucher Rico? Eh bah, il devait le prendre ce soir là, entre 21h et 22h minuit, mais on a pas de réponse. Ouais, ça va pas tarder, t'inquiète. Oh là. Je pense que ça va pas tarder. C'est pas le patron ça? Non. Ah non, c'est pas le patron. Ça, c'est le. C'est le médecin. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le mec sur la route, vous avez vu avant d'arriver ici ou pas? Ah non, moi il est là depuis un moment, le gars. Ouais, bah ouais, je crois, je l'ai déjà vu tout à l'heure, je passais en moto, il était déjà au sol.
Ouais, la même. Je suis allé voir si ça allait, et puis on m'a pas répondu. Je me suis demandé si c'était un local. Bonjour, monsieur Crawford. Bonjour. Oui. Vous allez bien? Oui, vous? Ouais, c'est monsieur Lopez. Ça va? Ouais, je vous ai vu vous pencher sur le monsieur, là. Ça fait au moins une heure et demie qu'il est allongé comme ça, oh, putain. Ouais, apparemment c'est un citoyen. Je crois que même vous allez rien pouvoir y faire. Oh ouais, je crois bien, ouais. J'ai vu ça. Et dis donc, il est énorme votre 4x4 là. Ah ouais, il prend pas mal de place, ouais. Incroyable. Ouais, je me suis fait un kiff. Il est énorme. J'en ai pas vu des aussi gros. Je crois que c'est le plus gros. Pourtant, Anthony m'en avait montré un balèze, mais là il est encore plus gros. Il y a le GMC aussi qui est pas mal dans son genre. Ah ouais, mais je crois le vôtre il est encore plus haut parce qu'il y a l'arrière qui est complètement haut. Hein. C'est... Ouais, putain. Je voulais fermer un peu, ça va rien à la benne donc. C'est voilà. Un immeuble à l'horizontale quoi. C'est ça. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe. Hein. Fait pas mal de dépannage. Hein. Ah bah c'est bon ça. Les mecs conduisent comme des fous en ville, puis les voitures sont pas très robustes. Justement, hier j'ai dû faire redresser. Enfin, tout à l'heure j'ai dû faire redresser mon. Quand il y a ma sultane. Ah ouais? Y'a un mec qui m'a rentré dedans à 200 km/h hier. Oh putain! Je passais tranquillement à 80 vers le 10-20 là-bas au croisement. Et puis le mec il est arrivé par ma gauche. Oh la vache! Ah ouais, j'imagine. Il a cassé la tête, mais ça va. Ok. Ça va. Bon bah allez, bonne soirée. Bah ça marche. Ouais, ça marche. Courage. On venait voir s'il y avait le concessionnaire, mais il a pas l'air d'être ouvert ce soir. Ouais, il a pas l'air. Yo les bonnes. Yo. Ouais. Dites-moi, vous savez, là où vous êtes arrivé, vous savez. Bah vas-y Tonio, tu veux qu'on aille changer ou quoi? Ouais, on peut aller, bah, si tu veux jeter un coup à ma mécane et à ma bagnole. Vas-y, bah si tu veux, emmène-moi un garage ou quoi? Bien. Ouais mec. Yo, attends. Yo, j'ai vu que tu te câblais un petit peu avec ta moto. Moi je te propose un bail de malade, boy. Devine c'est quoi? Je sors ma moto à moi, t'as vu, ma bike. Ouais. Et celui qui fait la meilleure roue, il remporte 250$, on parie 250$. T'es chaud ou pas, boy? Vas-y, si tu veux, 250$, c'est rien. Vas-y. Oh putain! Ça va? Attendez, que ça coûte de l'or. C'est la petite mansion, c'est ça? Non, yo, c'est juste une moto comme ça, c'est moi qui l'ai fabriquée avec mon père. Yo! Donne les 250$. Ça va, calme-toi, va. C'est beau, je calme. Vas-y, carré, allez, une prochaine, c'est la prochaine fille. T'es tellement rien que ça, frère. Mais non, mais pas ça, mais ton pote, pour 250$, il est prêt à lécher le sol, presque. Eh yo, faites arriver. Yo. Mec, ah bah 150$, c'est ton RSA, donc... Hop les gens, moi. Non mais surtout comment tu, si tu viens d'arriver, comment t'as un gap, t'as cash mis de l'argent en bitcoin ou quoi? De quoi? Parce
que le mec il me dit on vient d'arriver, mais ils ont mis combien de bitcoins les mecs en arrivant? Non, je pense pas. Ils m'ont dit ils venaient d'arriver.